À Nazareth, l'évangéliste Luc cherche la maison de Marie. Il suit un groupe d'enfants qui attendent leur tour pour voir Marie. Voilà les enfants maintenant. C'est à vous d'être avec Marie. Elle vous attend. Allons-y. Chers enfants, recevez encore aujourd'hui la bénédiction que mon cher Jésus vous accorde. Il est parti au ciel, mais il est encore dans le cœur de chacun de nous. Et rappelez-vous toujours ces paroles, celui qui ne se fait pas petit comme un enfant n'entrera pas dans le royaume des cieux. Bravo! Restez donc toujours purs et innocents comme des agneaux. Par votre pureté, Dieu répand sa miséricorde dans le monde. Merci Marie. Maintenant, retournons à la maison, mais gardons Jésus dans notre cœur. Nous reviendrons demain. Vous êtes toujours les bienvenus. Je sais qu'il est tard, mais il y a une personne qui voudrait parler avec toi. Oui, dis-lui de venir. Excusez-moi, madame, si je vous dérange. Non, avec plaisir. En quoi puis-je vous être utile? Je suis Luc, médecin d'origine païenne, né à Antioche. Je me suis converti à l'Évangile en écoutant la prédication de votre fils. Je viens vous rendre visite car j'ai eu l'inspiration d'écrire soigneusement tout ce qui concerne votre fils et son message de salut pour le monde entier. L'Esprit Saint est descendu sur ton âme afin que tu puisses manifester à tous les hommes les mystères de Dieu. Sais-tu quel jour sommes-nous? Non, je ne sais pas. Cela fait 34 ans que mon fils Jésus est né dans une pauvre étable à Bethléem, réchauffé seulement par la compagnie de ses parents et de quelques animaux qui se trouvaient là. Je revis aujourd'hui cette nuit très sainte, car depuis le début, j'ai tout conservé dans mon cœur. Et voudrais-tu partager avec nous ces saints mystères des premières années de la vie de notre Seigneur? Avec joie, je te parlerai de celui en qui mon bonheur, ma vie et mon amour, afin qu'en attendant parler de lui, tu puisses imiter les vertus de sa vie cachée
Oh oui, je me rappelle très bien tout. Je me rappelle que... Gabriel m'a rendu visite. À ce moment-là, j'étais déjà promise en mariage à Joseph, qui était un homme juste, mais nous n'habitions pas encore ensemble. Ce matin-là, l'ange Gabriel me dit : Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Je me souviens aussi qu'il m'a dit que Élisabeth, ma cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et je lui ai répondu : Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Après le départ de l'ange, je partis rendre visite à ma cousine Élisabeth, qui, selon les paroles de l'ange, attendait un enfant. À mon arrivée, Élisabeth me salua et fut remplie de joie et d'Esprit Saint. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse dedans. Je suis restée avec elle 3 mois jusqu'à ce qu'elle accouche et ensuite je suis rentrée chez moi. Elle donna naissance à un bel enfant qu'ils appelèrent Jean et qui fut le précurseur du Messie, celui qui devait préparer le chemin de son avènement dans ce monde. Après tous ces événements, il y eut un édit de l'empereur qui ordonnait le recensement de toute la terre. Chacun se rendit dans sa propre ville pour se faire recenser. Je me souviens que Joseph m'a dit : Je dois partir jusqu'à Bethléem pour me faire inscrire dans la ville de David. Je lui ai répondu : Joseph, tu ne partiras pas seul, je viens avec toi. Il est resté très inquiet, car en ces jours-là, je devais accoucher. Arrivant à Bethléem, nous avons cherché partout un endroit digne pour l'enfant qui devait naître, mais il n'y avait plus de place pour nous dans les auberges.
de la ville. Une pauvre étable que Joseph aménagea de la meilleure manière possible. Se trouvaient des bergers qui veillaient sur leurs troupeaux en plein air et qui les gardaient la nuit. L'ange se présenta à eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière. Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Allons jusqu'à Bethléem, voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a annoncé. Et arrivèrent à la crèche où nous nous trouvions, Joseph et moi, et l'enfant Jésus, enveloppés de l'ange. Et ils nous racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Je me souviens de voir la joie dans le visage des bergers lorsqu'ils sont arrivés à l'étable. Et moi, je conservais toutes ces choses dans mon cœur. Oh là là! Jésus est né dans la pauvreté, l'humilité. Et vous, quelle patience dans les difficultés pour trouver un abri pour vous. Excusez-moi, Marie, j'ai une autre question. Après les bergers, il y a d'autres personnes que sont venues voir le bébé? Oh oui, les rois mages sont venus de très loin voir mon petit Jésus. Vive cette étoile, on dirait qu'elle nous montre quelque chose. Allons la voir. Je crois que nous sommes dans le bon chemin. Allons-y.
À la vue du nouveau-né, les sages tombèrent à genoux et l'adorèrent. Ils lui offrirent leurs riches cadeaux. Voici de l'or pour mon roi, de l'encens pour mon Dieu, et de la myrrhe au petit Jésus qui vient nous sauver. Maintenant, ô maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon la parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. Regardez, regardez bien cet enfant né pour nous, c'est lui le Messie tant attendu. C'est lui qui apportera le salut à nos âmes. Gloire à Dieu pour sa miséricorde dans son Fils bien-aimé, né pour nous. Puis nous sommes tous les trois revenus à Nazareth et Jésus nous était soumis en tout. Il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tout ce que je t'ai raconté, je l'ai conservé dans mon cœur pendant toute la vie de Jésus. Sa vie est ma vie, et maintenant encore, je vis avec lui. C'est fait tard. Peut-être que Marie vous recevra à nouveau de même. Ah oui, je ne m'étais pas rendu compte du temps. En écoutant la vie de Jésus, il me semblait être avec lui. Oui, je reviendrai demain sans faute. À demain et merci Marie pour avoir partagé le trésor de ton cœur avec nous. Va en paix, mon fils, et crois-moi, je prierai beaucoup pour la mission que Dieu t'a confiée de proclamer les mystères de Jésus. Reviens chez moi quand tu veux. À demain. Marie, Marie, j'ai oublié. Avez-vous quelque chose à dire aux habitants de Navarinx et Sauveterre? Ils sont là et qui nous regardent. Oui! En ce temps de Noël, ouvrons la porte de notre cœur pour recevoir le plus beau cadeau d'amour de Dieu pour chacun de nous.